petit chat. Pardon. Bonne idée. What? Trop bon. Il n'y a plus ma tête, comment je fais? Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous fais une morning routine. Je sais que j'en ai fait une il y a pas longtemps, mais j'avais envie d'en refaire une parce que vous aviez grave aimé. Donc je viens tout juste de me réveiller, mais aujourd'hui on est sur une morning routine productive car aujourd'hui on est lundi. J'adore ce jour parce que j'adore ce que je fais, donc j'adore recommencer à travailler après le week-end. Enfin bref, ce matin j'ai juste eu le temps d'ouvrir la porte quand j'ai vu... Pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai fait une story à la une où je vous explique tout, mais en fait il y a ce petit chat abandonné qu'on nourrit et qu'on a trop envie de ramener à Paris, mais c'est très compliqué. Mais sérieusement, c'est impossible de pas craquer. Mon petit chat, tu nous montes tes fesses. Donc pour commencer une journée productive, il faut éviter un contre-jour, faire du sport. Vous savez que moi j'adore faire du sport, mais il y a des jours où j'ai forcément la flemme. Comme aujourd'hui, j'avoue que j'ai un peu la flemme, mais c'est bien parce que cette vidéo va me forcer à en faire. J'essaye de faire du sport parce que ça me fait énormément de bien à mon corps et aussi parce que je suis fière de moi après, donc je me sens plus productive, j'ai l'impression de prendre soin de moi, etc. Je vais faire abdos fessiers, mais genre en rapide, pas mettre la ref. Et puis voilà. Et j'ai pas dit, mais cette vidéo est en collaboration avec la marque Airbus. Vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Il arrive, il va te donner à manger, moi j'ai rien. Du coup, ce que je vais faire, c'est comme d'hab, je vous ai déjà fait des reels sur Instagram et en what I did in a day sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Et désolée, j'ai allumé le lave-vaisselle, c'était peut-être pas bon timing. Je vais faire un porridge avec des fraises. En fait, je le fais vraiment avec les fruits que j'ai. Et là, j'ai des fraises et des bananes, donc je vais faire avec ça. Et puis, je vais me faire aussi un verre de citron, de jus de citron. Pardon. Bonne idée. Bonne idée, gros dégueulasse. Regardez-moi la taille des fraises. What? Mais que se passe-t-il? Il y a une main. On va faire une autre version. On va mettre la version avec des bananes écrasées à l'intérieur de l'avoine directement dans la casserole pour changer un petit peu. Je vais ajouter de la cannelle. Ça a l'air trop bon là, avec plein de cannelle et plein de bananes. J'ai fait une plus grosse portion pour Jérémy. Du sirop d'agave. Des graines de chia. Et voilà. Je t'ai fait un énorme. Toi t'en as beaucoup? Ouais. Oh, énorme, merci beaucoup. Je voulais faire des jus de citron, mais j'ai oublié. Donc je vais en faire maintenant. J'ai vu ta tête, je sens que t'as envie. Yam. Trop bon. Du coup le matin, comme ici il fait super beau, j'en profite vraiment pour sortir, prendre un maximum le soleil. Bon là je suis un peu à l'ombre donc je prends pas trop le soleil, mais vous voyez ce que je veux dire, la lumière. Et ce petit déj, j'ai vraiment pris l'habitude de le faire depuis quelques temps, ça me fait trop du bien. Franchement je sais pas ce que je ferais sans ce petit déj. Oh je vais m'installer. Let's go à la douche. Alors ce matin je devais me laver les cheveux et me faire un soin parce que la veille j'avais pris le soleil toute la journée, j'avais touché mes cheveux avec de l'huile que j'avais sur le corps et tout, enfin c'était un petit peu le bazar dans mes cheveux, donc c'était vraiment le moment. Toute ma routine cheveux vient du site Airburst, donc pour me laver les cheveux j'utilise le shampoing qui permet de renforcer les cheveux en les hydratant grâce à la protéine de blé hydrolysée, et vous savez que la protéine c'est très important pour les cheveux.
Et deux fois par semaine, j'utilise mon masque que j'adore. Il est à base d'extrait de fruits de coco. Et figurez-vous qu'il protège aussi des rayons UV. Et ça, c'est trop pratique, surtout en ce moment, comme je m'expose pas mal. Et sinon, les jours où j'utilise pas le masque, j'utilise l'après-shampoing qui est vendu avec le shampoing. Et de toute manière, tous les produits Airbus sont vraiment composés de produits, de principes actifs qui permettent d'hydrater les cheveux et d'activer la pousse. Bon, je suis sortie de la douche. Je vais me m'habiller, me maquiller. Je vais mettre une robe. On est sur une transition 2015 avec une robe de grand-mère. Mais bon, c'est pas grave. Je vais aller me maquiller et vous parler un petit peu. Je suis trop contente de vous dire que j'ai un code promo pour vous, Airbust. Attendez, venez, je me brosse les cheveux. En ce moment, ils font des soldes sur leur site avec un produit acheté. Vous avez un produit offert. Donc ça, c'est trop cool. Et en plus, vous avez mon code promo AndySold10 qui vous offre moins 10% sur votre commande. Donc là, vous êtes au max. Vous allez pouvoir vous acheter tout ce que vous voulez. D'ailleurs, venez, je vous montre. Attendez, il est sur ma table de nuit. En ce moment, j'utilise ça aussi, c'est le petit produit à appliquer sur les cils tous les soirs. Je le laisse sur ma table de nuit pour pas oublier. J'aime trop, enfin, vous savez, skincare routine, c'est mon truc. Et donc, pour vous parler un peu de mes cheveux, je vous dis la vérité, j'avais un petit peu peur. J'ai vraiment dit à la marque que je voulais bien tester les produits avant parce que vous savez que moi j'avais vraiment une routine assez stricte et j'ai toujours un peu galéré avec mes cheveux parce que j'ai pas de besoin particulier, parce que j'ai la chance de pas avoir les cheveux trop cassés, etc. Parce que je fais pas de couleur. Mais par contre, mon problème c'est que j'ai plein de frisottis quand je me sèche les cheveux au-dessus de mes cheveux. J'ai plein de mini cheveux. Mon vocabulaire capillaire est assez réduit. Dès la première utilisation, j'ai fait... Je crois que la première utilisation que j'avais faite, c'était shampoing après shampoing. C'était pas encore le masque. Et j'étais trop contente. Et puis après, j'ai essayé le masque. Là, j'étais encore plus contente. Ce que j'ai vraiment remarqué déjà, c'est que mes cheveux ont poussé. Avant de venir en Sicile, je vous avais fait une story sur Instagram où je vous disais, est-ce que je vais chez le coiffeur, Manny, et je vous montrais la longueur de mes cheveux. Et genre, vraiment, ils étaient plus courts que ça. Et c'était il y a pas si longtemps que ça que je vous avais fait cette story-là. Et le truc, franchement, ça, je pense que c'est le truc qui m'a le plus choqué avec Airbus, et d'ailleurs je sais toujours pas le dire, Airburst. Enfin bref, et donc le truc qui m'a le plus choqué, de toute façon je pense que vous allez le voir, c'est la brillance des cheveux. J'étais choquée, vraiment choquée. Très satisfaite des petits produits Airburst. Tout sera en barre d'infos, les liens, etc. Et n'hésitez pas à utiliser mon petit code promo. Donc du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller pendant que mes cheveux commencent à sécher. Et puis voilà, au niveau de ma routine make-up, c'est ultra simple. Bon, on n'est pas sur la meilleure lumière de la terre, mais ça va aller. Je mets une petite huile. D'ailleurs, sur Insta, je vais vous faire un reel routine make-up et un reel routine visage. Skincare routine plutôt. Faut vraiment que je me rachète des crèmes. J'ai plus rien. J'attends un collier pour une collab trop cool. J'espère qu'il m'envoie des crèmes. S'il vous plaît, envoyez-moi des crèmes. J'en ai plus. Vous savez que c'est marrant parce que on était censé rester que 10 jours. Sauf qu'au final, on reste beaucoup plus. On reste plus de 3 semaines. Du coup, ouais, on reste plus de 3 semaines. Et peut-être qu'on va encore rallonger si vous n'avez pas suivi nos histoires de petits chats. Du coup, moi j'avais prévu de rester que 10 jours. Donc, j'ai absolument rien pris. J'ai pas de pince à épiler. J'ai une paire de baskets, une paire de cuissards. J'ai pas d'entre-deux. Genre, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Anti-cerne. J'avoue que j'aime pas trop me maquiller en fait quand je suis un peu bronzée. Parce que j'ai des taches de rousseur. Et du coup, ça les grise un peu. Et j'aime pas. D'ailleurs, vous êtes un peu haut. Et puis, comme il fait assez chaud, j'essaye de faire vraiment le plus léger possible. Oh non, j'ai plus de batterie. Mais non, pas ça. Une bonne youtubeuse, j'ai plus de batterie, comment je fais? Parce que là, le temps que ça se truc, mes cheveux ils vont sécher et je peux pas sécher hors cam. Il faut que je vous montre, c'est ma morning routine, mais comment je fais? Bah, je vais charger la caméra. 2 hours later. Me revoilà 10 ans plus tard. Mes sourcils, comme d'hab, make up forever. De toute façon, je vous ai déjà fait des routines sur ma chaîne. Ensuite, je fais tout dans les ordres. Je sais pas pourquoi, l'été, je fais tout comme bon me semble. Je vais mettre un blush crème. Normalement, j'aime bien aussi mettre le Benefit de Benefit. Mais là, j'ai envie de mettre un blush crème plutôt légèrement. Petit bronzer Chanel pour réchauffer ce teint. Petit ras de cils. Je vais prendre un highlighter Sephora. La teinte, c'est Delicate Glow. Je mets un peu dans le coin interne. Là, là. Recourbe cils. Bon, j'ai quasiment plus de mascara, c'est un peu un problème, j'avoue. Je suis censée en recevoir très prochainement. Et voilà. Et parfum, le Belle de Jour de chez Dior. Un délice. En plus, il est trop mignon, c'est un tout petit format. Voilà, maintenant, séchage de cheveux. Sont tous
tout léger, j'aime trop. Voilà le résultat, une lumière un peu plus naturelle. Vous voyez, il n'y a rien de spécial. Mes cheveux, tout brillant et tout beau. Attendez, venez, je vous montre au soleil. Je vois rien. Là, comme je suis en vacances, je me réveille à 9h tous les matins. Et là, en ayant tout fait, en général, il est 10h30. C'est un peu tard, mais comme je suis pas chez moi, ça me dérange pas parce que j'arrive quand même à m'organiser et puis je travaille un peu différemment. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser dans la salle à manger. Je vais m'occuper de faire du montage, de m'organiser pour mes prochaines vidéos, de répondre à des mails. Vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite morning routine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Je poste tous les jours. Et oui, enfin. Et également sur YouTube, je sors 2 vidéos par semaine. Une le mercredi et une le dimanche si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour la vidéo. Merci.